L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie. Mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément? D'où vient-elle? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau? Nous avons travaillé de la manière habituelle, dans l'étude d'un environnement naturel. Nous nous sommes simplement concentrés plus particulièrement sur l'eau, mais en l'analysant sous de multiples angles. Dans les Saintes Écritures, l'eau est bien plus qu'une simple substance physique et chimique. Elle représente un certain concept, un concept lié à une façon particulière de concevoir les origines de la vie. Rien dans le monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Et personne ne peut la vaincre, alors qu'elle est facile à conquérir. La faiblesse a raison de la force. La souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne parvient à le mettre en pratique. Voilà ce qu'a écrit le philosophe chinois Lao Tzu il y a plus de 2500 ans. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. Toute substance refroidie se contracte, autrement dit, son volume diminue, mais l'eau au contraire se dilate. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à utiliser ses caractéristiques. Les peuples du Nord obtenaient des pierres pour la construction en versant de l'eau entre les failles des rochers, avant l'arrivée du gel. Au sud, les hommes enfonçaient des pieux de bois dans la roche et les imbibaient d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Bien plus tard, les scientifiques ont constaté que l'eau qui se trouve dans les pores et les capillaires est capable de développer un niveau de pression énorme. Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bars. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume. La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en trois états, liquide, gazeux et solide? Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de bars? La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus.